Mathilde Lécoté pour moteur. Insouciante, ça c'est sûr. Impétueuse, un peu. Très décidée. Je passais ma vie à découper des photos des gens que j'aimais et je les collais sur du mobilier. Bizarrement, je vivais dans mon monde, dans ma petite bulle assez barbapapa. Les premières femmes reporters de guerre, genre Alice Chalek, Agnès Varda. Je m'identifie à elle encore et ça me donne le courage et l'audace de continuer à faire des choses différentes. C'est vraiment un rêve fou hein, pour moi. Ce serait d'écrire et de réaliser un long métrage. Ma mère, je pense, une fâcheuse opiniâtreté à vouloir les choses, donc moi-même me dire je vais y arriver. Même si on ne veut pas que je fasse ce métier, je vais y arriver. Je ne crois pas avoir vraiment confiance en moi. Il y a entre ce que j'affiche et tout ce doute, pour aller chercher bien profondément en moi la confiance, je me dis je vais travailler plus que les autres. Tu peux tromper tout le monde une fois, tu peux tromper une personne toute ta vie, mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. L'authenticité, avoir la capacité avec ta tête de mettre des mots sur ce que ressent ton cœur. La patience, j'en ai aucune, mais aucune. Je dirais quand tu veux, tu peux. Et quand je désire quelque chose, j'ai ce déclic de tout ce qu'il faut mettre en face pour y arriver. Insister, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Booba, Elliot Erwitt, tous ces grands photographes de Magnum. Bon, y a tout à gagner. À une femme de mon âge que j'aime profondément, qui est comédienne et actrice, qui s'appelle Gwendoline Amont.